On a commencé par l'arrivée du Belem ici à Marseille. C'était assez incroyable parce que moi j'avais jamais vu ce bateau, donc déjà assez impressionnant. Et on était comme des fous, tout le cortège, il criait dès qu'il nous voyait passer et tout, c'était assez incroyable. Et je pense qu'on commençait vraiment à goûter en fait un peu à l'engouement qu'il y a autour des Jeux. Et ça y est, c'est réel quoi, les Jeux arrivent à Marseille. Donc pareil, porter la flamme avec donc, le relais de la Banque Pop Méditerranée. C'était trop cool, j'étais avec les copains, ma famille a pu venir, tous les gens hurlent, nous filment, tout le monde est hyper excité. Et c'est vraiment là où on voit le mouvement qu'arrive à créer les Jeux et c'est hyper fort. C'est génial, c'est arrivé au bon moment, c'est arrivé juste avant les championnats du monde pour nous. Et, moi, je pense que ça m'a bien aidée. J'ai fait le plein d'énergie positive. Avant ça, on a eu la soif et elle ne s'est pas hyper bien passée pour moi. Je n'étais pas préparée, je n'étais pas du tout dedans. Et j'arrive à accrocher une troisième place, mais un goût un peu amer. Et on a les championnats du monde qui arrivent juste deux semaines après la semaine olympique française. Et donc, c'est vrai que pour moi, c'est un peu une remise en question. Je me dis, je sais que j'étais pas forcément au top niveau matos, etc. Mais bon, il y a quand même le fait que, t'as pas gagné. Donc, tu l'as en tête. Et donc, j'ai juste essayé d'y aller en me disant, tu essayes de naviguer le mieux que tu peux, comme tu sais faire, d'être la meilleure version de toi-même sur l'eau. Et puis, tu verras. Et déjà, j'avais cette confiance en rentrant. Dans les Worlds où je savais que mon matériel il était au top du top, qu'il n'y a rien qui allait pouvoir dérailler là-dessus et que c'était moi qui allais faire le lien entre le vent et mon matériel et que la performance allait se juger que par ce que moi j'allais faire sur l'eau. Et donc ça a fonctionné. Je pense qu'il y a quand même un côté d'ego où le fait que je sois sélectionnée, j'ai quand même envie de montrer que c'est encore moi la meilleure française. Donc c'est vrai que le fait qu'il y ait Poema et Jessie qui soient autant dans mes talons, moi ça m'oblige à toujours me dépasser, me surpasser et pousser toujours plus fort. Et je pense que c'est d'ailleurs pour ça que maintenant les Françaises, on a un lead qui est assez incroyable. On est trois Françaises dans le top 4 sur les championnats du monde. C'est la première fois que ça arrive et je pense que c'est pas la dernière quoi. Je suis hyper contente d'avoir enfin posé mes valises ici à Marseille. On fait une petite coloc là avec Lou et Axel. Et j'aime bien cette ambiance, il y a du monde au pôle, tout le monde navigue, tout le monde s'entraîne. Mais vu qu'on est tous copains, j'ai l'impression d'être en colonie de vacances. Mais en colonie de vacances sérieuse quoi. Et moi j'avais vraiment hâte là de ces deux derniers mois qu'on soit tous ici, qu'on soit tous en mode test de matos, passer des heures sur l'eau, d'avoir encore le pôle pour nous. Non, pour l'instant, je suis bien. Bon, on est encore à 2 mois, donc c'est... Vu que moi, je suis un peu au jour le jour, j'ai du mal à encore me projeter, mais pour l'instant, je kiffe. Bon, alors là, c'était la dernière manche de finale. Et on avait un petit matelas avec le Néerlandais. Ouais, on avait 11 points d'avance. Enfin, il fallait surtout pas qu'il termine 11 passes devant nous. Bon, là, on a le départ. Hein. Déjà, il y avait une tendance assez à droite, quand même, sur ce plan d'eau, là. Du coup, nous, vu qu'on avait une bonne vitesse, quand même, on a décidé plutôt d'accompagner par au-dessus aussi le Néerlandais, là. Je pense qu'on est par là, tu vois. Là. Ouais. Ouais, exactement. Et là, on a un très bon rail par au-dessus, là, ouais. Parce qu'on revient sur... On a un très bon rail, on l'a vraiment en latéral, et je me rappelle, c'était vraiment, je pense que c'était à partir de ce moment-là, parce qu'au final, c'était assez tôt dans la manche, où on s'est dit, maintenant... Il n'y avait plus qu'à être devant, parce qu'on était déjà devant, en fait. Alors là, on fait un super bon coup tactique et en placement, c'est qu'on a, on voit, ça passe plutôt à droite, mais il y a tout le monde qui va un poil over les lignes. Et nous, on profite de la courbure droite par en dessous, là. Et on attaque vraiment, vraiment dessous. Et... C'est vrai qu'on voit bien qu'ils sont ouverts, là, ces mecs-là. Là, ouais. Et tu vois, on est même pas dans le top au début. On est même pas dans le top 10, là, sur le tracker. Et tu vois, on est remonté 5, 4. Et puis, on va finir par passer 2 au vent, ouais. Puis Clément fait un... C'est bien arraché sur le speed aussi. Tac! C'est vrai que c'est là où on l'a... Ouais. Dans la boîte. Et l'erreur qu'on fait un peu quand même, on ne fait pas que des trucs parfaits, c'est qu'on attaque un chouille, on jive un chouille inner, pardon.
Et lui, voilà, le fait que nous, on a un peu la perte au jibe et tout, au final, il arrive à nous prendre l'intérieur à la boîte sous le vent. Je pense que j'empanne un peu trop tôt, j'aurais pu arriver un peu plus tendu, je pense. Là, on va arriver à la marque avant, on a encore une manœuvre assez importante qui est le jibe set, qui est assez technique. Donc, on est encore à full concentré dedans. Sur le tribord, on commence à voir les deux drones qui arrivent très proches, qui commencent à... Et là, j'avoue qu'on est encore concentré, je trouve, sur cette parade-là, là, tout le bâbord qu'on fait. Ouais. On est dessous devant, sous spi. Là, ouais. Il ne peut rien se passer, là. C'est là où on est là, ouais. On se fait une accolade qu'on voit pas d'ailleurs déjà en tribord là, on se check déjà en tribord avant de... Comme quoi, on va être champion du monde et tout, c'est incroyable. C'est vrai que c'était... C'est là où on commence un peu à réaliser là, tout en contrôle, pof, petite latte qui passe pas tout de suite, boum, ça pop. Et puis voilà, on se dit c'est bon, là on est accroché, on maintient, on garde le spi, on garde la barre droite et puis ça va le faire. Hein. Là, il nous a rien, on célèbre et faut savoir que là, je suis tellement excité que je fais un gros pain ouais, à Clément en l'enlaçant. Des mandales comme ça, des mandales comme ça, les lunettes qui se mettent dans le travers. Ouais. Et puis là, voilà, putain, on passe l'arrivée. On a fait le speak quand même parce que. Ouais, putain, et puis on a mis notre petite étoile hein, quand même. Ouais, putain. C'est clair. Oh, ouais. Françoise qui était en pleurs, ouais, c'est Françoise aussi qui est en pleurs sur le Z. Ouais. Le coach, c'était incroyable. Les émotions. Ouais. La télé, ah ouais, là, on voit là. Moi aussi, j'ai versé ma petite larme. Ouais. J'ai fait un petit cœur pour les copains, ouais. La famille. Ça remet des petits poils sur les bras quand même, putain. Ah, c'était cool. Plus qu'à revivre ça maintenant. C'est pour ça qu'on fait le sport donc. C'est pour ça qu'on va aller chercher une médaille cet été, hein, qu'on va tous donner en tout cas pour, pour ça. Ça va être cool. Parce que les émotions sont belles. Hein. C'est plus en visionnant les images, tu vois, comme ça, un peu au calme et tout, avec un peu de recul, qui font prendre conscience un petit peu de ce titre et de la manière dont on a survolé aussi un peu l'événement, quoi. C'est vrai que... Ouais, le truc qui était ouf, c'était les étrangers qui disaient « Ah, je pense que c'est même Burling, c'est jamais arrivé qu'il ait mis autant de points sur une épreuve de référence, enfin, en mondial, en européen. » On avait vraiment à cœur, en tout cas, de montrer voilà, qu'on méritait notre place et que c'était nous et pas quelqu'un d'autre. Donc, on avait à cœur de faire quelque chose de bien. Et voilà, par contre, de rêver d'un titre de champion du monde, j'avoue que voilà, on savait que c'était quelque chose voilà, où on avait conscience qu'on pouvait le faire, mais après, le faire, c'est autre chose. Donc voilà, il fallait le faire. En tout cas, ça a vraiment voilà, redonné un petit peu de confiance et d'énergie à notre équipage, ça c'est sûr. Dans 2 mois, à la même place, pour refaire ce type d'interview, hein, ça serait bon si.